Suivre sa consommation d'électricité pour pouvoir agir sur les différents postes clés de son domicile est une des promesses de la domotique. C'est pourquoi aujourd'hui je vous présente le module Lixi, un module que vous allez pouvoir brancher sur votre compteur Linky et qui va nous permettre de remonter les valeurs d'électricité vers notre système domotique. C'est parti! <music> Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans mon journal, dans mon carnet de bord dédié à la domotique. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de relevé d'électricité. Et plus particulièrement, un petit peu de matériel avec le module Lixi que l'on va venir brancher sur son compteur Linky et qui va nous permettre de remonter les valeurs vers notre système domotique. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter comment l'intégrer dans Home Assistant. Bien sûr, vous avez l'habitude maintenant sur cette chaîne. Vous savez que je suis un utilisateur de ce système domotique. Mais vous allez voir, puisqu'on va passer par MQTT, que vous allez pouvoir utiliser n'importe quel système domotique. Que ce soit JDOM, Domotics, OPENHAB ou Gladys. Alors, il y a quelques mois, je vous ai parlé de EcoJoco, ce matériel qui nous permet d'avoir une consommation précise en instantané qui n'avait pas forcément besoin de beaucoup de branchements, puisqu'on plaçait le module sur son compteur électrique. Je vous remets le lien ici, et je vous mets également le lien dans la description vers cette vidéo, si cela vous intéresse. Avec EcoJoko, il y avait une réelle intelligence artificielle derrière, puisqu'on pouvait avoir un retour, et il pouvait détecter les différents appareils qui consommaient en fonction de leur signal électrique. Ça fait un an aujourd'hui que j'utilise EcoJoko. C'est vraiment très sympa, on arrive à avoir vraiment de bonnes valeurs, ça fonctionne très très bien. Le problème c'est que ça ne peut pas remonter aujourd'hui dans notre système domotique puisqu'il n'y a pas d'API, il n'y a rien qui permet de récupérer les informations qui sont chez EcoJoko. Et c'est la chose que je regrette avec ce matériel-là. C'est pourquoi j'étais toujours à la recherche d'autres matériels qui me permettraient d'avoir vraiment les valeurs qui remonteraient dans mon système domotique. Et j'ai découvert l'Ixi. Un module que l'on va brancher sur le TIC, donc sur le euh, sur le module de téléinformation de son compteur électrique Linky. J'insiste bien sur le compteur Linky et que l'on va venir brancher donc dessus et qui, vont nous qui va nous permettre de récupérer les informations de ce compteur. Pour nous les envoyer dans notre système domotique. Si j'insiste sur le fait qu'il vous faut un compteur Linky, c'est que sur leur site je trouve que c'est pas très très clair puisqu'on parle de port de communication, euh, de téléinformation, si présence alors on aurait pu penser qu'on ne peut utiliser euh, ce, le, ce module Linky. Je les ai contactés pour être sûr parce que moi à mon domicile principal je n'ai pas de compteur Linky encore. J'ai les anciens compteurs. Et cela ne fonctionne pas, ils m'ont vraiment confirmé puisqu'ils m'ont écrit euh, noir sur blanc que ce n'était pas possible, que euh, les anciens compteurs ne vont pas pouvoir... Alimenter le module. Donc il vous faut vraiment un compteur Linky car c'est tout l'intérêt de ce module Lixi, c'est qu'il est, qu est auto-alimenté par le compteur. Alors sur une maison familiale qu'on vient de me changer le compteur, j'ai un compteur euh, Linky désormais et j'ai donc voulu euh, ré récupérer les informations et c'est sur ce compteur là que j'ai pu euh, installer le Lixi. Alors ce module Lixi, comme je vous le disais, il est auto-alimenté par euh, votre compteur électrique. Donc ça, c'est un réel plus pour moi, je trouve. Il est tout petit, il fait euh, 6,5 6, cm par 2,5 cm à peu près. Il va complètement se faire oublier dans son compteur Lixy, puisque vous allez avoir juste, je vais vous montrer un petit peu après, à enlever le cache, le capot de votre compteur, à le brancher, on remet le capot, on ne voit plus le module Lixy. Donc il se fait complètement oublié une fois branché. Et troisième grand intérêt de ce module Lixi, c'est qu'il est, qu'il euh, qu fonctionne sans fil via le protocole Zigbee. Et ça, c'est vraiment un gros avantage, je trouve. On va oublier tout le matériel qui fonctionnait avant en USB, qui était relativement compliqué. Il fallait que notre système domotique soit proche de notre compteur électrique où on allait pouvoir brancher les différents modules. Là, comme je vous le disais, on le branche dans le compteur Linky. Il se fait oublier. Il communique en Zigbee avec notre système domotique et c'est terminé. Et cela pour un prix, je trouve relativement correct puisqu'on le trouve aujourd'hui autour de 49 euros euh, chez Domadou. Chez Amazon, je sais pas. Moi, je l'ai commandé chez Domadou. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à utiliser le lien. C'est des liens qui sont souvent affiliés, c'est-à-dire que pour vous, cela ne change rien, mais c'est une marque de soutien à la chaîne, et moi, une petite partie m'est reversée pour que je puisse racheter du matériel et vous refaire d'autres tests de ce type. Donc maintenant, on va aller l'installer, aller le brancher sur le compteur, et on va l'intégrer dans Zigbee 2MQTT qui est complètement compatible avec euh, l'Ixi, avec ce module. Alors attention, il vous faudra la dernière version de Zigbee 2MQTT pour qu'il soit reconnu, mais vous allez voir que maintenant, ça fonctionne parfaitement. Donc, on se retrouve devant le compteur pour que je vous montre comment le brancher et ensuite on voit comment l'intégrer dans Zigbee 2MQTT. C'est parti nous voilà devant le compteur. C'est très simple. On met la clé sur euh, la prise stick, on appuie. Voilà, ça y est, elle est connectée. On voit qu'elle est auto alimentée. Là, il y a la LED bleue s'allume. Maintenant, on va dans Zigbee 2 MQTT. On active l'appairage et là, on appuie 3 secondes sur le bouton d'appairage euh, du Lixi et on va retrouver le lixi d'appérer sur, euh, sur zigbee ou MQTT avec euh, eh bien toutes les informations sur euh, ce module, les différents paramètres que l'on va pouvoir euh, retrouver, les paramètres spécifiques, donc là on voit que le, euh, que le compteur fonctionne en mode historique, en mode standard. On va vraiment pouvoir euh, fonctionner là-dessus. Voilà, maintenant qu'on l'a dans Zigbee ou MQTT, eh bien, on va pouvoir avoir la remontée d'informations dans n'importe quel système domotique, comme je vous le disais. Là, maintenant, je vais vous le montrer sur Home Assistant, mais vous allez pouvoir le faire exactement de la même manière sur JDOM, sur Gladys, à partir du moment que votre système domotique parle avec MQTT. Il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas. On passe sur l'ordinateur et je vous montre dans Home Assistant comment ça remonte et un petit peu le type de carte que l'on va pouvoir mettre en place. Alors si on se rend sur Home Assistant euh, dans Paramètres, là on arrive sur le menu euh, de nos paramètres qui a un petit peu changé ces derniers temps. Donc en juin 2022, là je suis sur la version 2022.5.5. Je n'ai pas encore mis la toute dernière qui est sortie hein, il y a quelques quelques heures. Mais vous allez pouvoir cliquer sur appareil et service. Et là normalement vous avez la partie MQTT. Ici tous vos modules qui sont utilisés avec ZigBee 2 MQTT et avec MQTT sont, sont présents dans, dans, dans cette fenêtre. Et là on retrouve le... le module que j'avais nommé mb underscore lixi avec toutes les valeurs que l'on peut avoir donc notre euh, notre relevé de base donc là c'est ce qu'affiche le compteur euh, L'intensité instantanée, euh, la, pu le, la puissance instantanée, le tarif. Alors là, moi je suis sur un tarif de base, mais là vous allez pouvoir avoir heure creuse, heure pleine également. Et on voit qu'une mise à jour est disponible, donc ça il faudrait que je le fasse. et Puis là, on va avoir euh, la qualité du lien en euh, dans, dans ZigBee sur votre réseau ZigBee. Voilà un petit peu tout ce qui remonte dans Home Assistant grâce à ZigBee to MQTT de notre module Lixi. Et maintenant, si on va sur notre tableau de bord, voilà quelques un exemple de ce que j'ai pu faire. Un, alors c'est un, une maison familiale et puis je viens d'installer, donc forcément il n'y a pas grand chose qui tourne à l'heure actuelle dans cette maison, à part les, les deux Raspberry Pi et le compteur est relativement nouveau. Donc euh, vous avez l'index du compteur. Donc j'ai fait une petite carte euh, classique Entities avec l'index du compteur. La, la consommation, donc là j'ai créé deux entités euh, utility meter qui calculent ma consommation hebdomadaire et ma consommation mensuelle. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble cette carte, ouais, il s'agit d'une carte entities. Dans laquelle j'ai utilisé le custom multiple entity row qui me permet d'avoir plusieurs colonnes là dans, mon, dans sur une même ligne avec les sensors que je vous disais le mensuel et l'hebdo et la quotidienne bien sûr et si on regarde alors l'autre petit graphique que j'ai fait ben c'est un, un petit graphique avec la puissance consommée à l'instant t donc là j'attends de voir quand on va rouvrir la maison euh, si, quand, quand il y aura quelqu'un eh bien de voir un petit peu les variations donc là c'est vraiment une carte classique en mini graph card sur 24 heures mais voilà un petit peu à quoi pourrait ressembler votre tableau de bord alors bien sûr aujourd'hui il y a énergie également dans, dans Home Assistant donc ça il va être reconnu vous voyez source euh, donc MBLXI base et là, vous allez bien sûr pouvoir le rajouter et il va pouvoir vous montrer votre consommation d'énergie par jour, par semaine, par mois ou sur l'année. Donc là, c'est vraiment la partie énergie, le tableau de bord énergie spécifique à Home Assistant qui est apparu il y a, il y a quelques mois maintenant. Moi bon, pour l'instant, je ne vais pas forcément utiliser ce tableau de bord d'énergie, déjà parce que ce n'est pas le domicile principal comme je vous l'expliquais. Mais voilà, juste un petit tableau de bord, quelques relevés sur mon tableau de bord dédié à, 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 à ce site me permet d'avoir déjà pas mal hein, d'informations. J'ai été vraiment à la recherche d'un tel module depuis un certain temps et il faut bien avouer que ce module Lixi répond à pas mal de critères de recherche. La seule contrainte, c'est d'avoir un compteur Linky. Voilà, le fait que moi, je sois passé récemment à un tel compteur m'a fait sauter le pas. Et alors l'avantage principal, c'est le fonctionnement en Zigbee, c'est vraiment parfait pour moi et pour l'installation que j'ai mis en place aujourd'hui. Je peux suivre maintenant à distance la consommation de mon, de mon domicile. Mais je suis curieux de savoir, vous, comment vous faites votre suivi d'électricité, si vous le faites, ou si ce type de module pourrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Je suis toujours très preneur de vos retours et de, de vos usages en domotique. Donc n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.